Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout le monde est en place, 18h35, c'est parfait, on s'améliore. Je rappelle la nécessité d'émarger. J'espère que tous les présents ont bien émargé en rentrant dans la salle. Si c'est bien le cas, on va pouvoir procéder à l'appel. Je rappelle que pour ceux qui ont un pouvoir, on annoncera les pouvoirs et vous pensez bien lever les deux mains lors des votes. Valérie Argout, absente. François Boucli, absent. Besma Caron, Benjamin Castaldello, absent. Philippe Latour, Ludovic Leprêtre, Roger Marcel, absent et a donné pouvoir à Noël Morel. Noël Morel, Nicolas Sollier, absent. Edith Chambaz, Bernard Évrard, Edith, c'est pas clair, est-ce que tu as un pouvoir de Nicolas ou pas? On n'a pas de pouvoir. Hein. Ah oui, suppléante, donc tu le remplaces, d'accord. Bernard, je t'ai annoncé, je crois. Patrick Belmont, Corinne Magnin, absente. Joël Battier, Christophe Brochard, Frédéric Lelon, Thérèse Tisserand, absente et a donné pouvoir à Laurent Michel, Jean-Marc Bouvet, absent, Max Gauthier, absent, Edmond Decoux, Véronique Séchel, Jean-Paul Bonnetin, absent et a donné pouvoir à Bernard Badin, Delphine Hartmann, Luc Blanchet, Jean-Marc Damet, absent et remplacé par Gisèle Godet, Chantal Huguet, Christelle Bas, Daniel Witt, Laurent Michel, Catherine Angelin, absente et a donné son pouvoir à Michel Serrano, Dominique Chey, absent, Michel Serrano, Jean-Louis Reynaud, Marie-Christine Frachon, absente et a donné son pouvoir à Christelle Bas, Céline Revol, absente, Cédric Milani, André Guichère, Magali Guillot, absente et a donné son pouvoir à André Guichère, Patrick Blandin, Jean-François Deldic, Jacqueline Guichard, Philippe Guérin, Joël Magot, Jean-François Pilot-Tirard, Alain Courbou, présent. Michel Reynaud, présent. Michel Cléier-Merle, présent. Maxime Durand, absent, Isabelle Fournier, il faudra penser à signer Isabelle, Jacques Garnier, présent. Bernard Badin, présent, Ella Mahoun, présent. Claire Durand, présent. Vincent Durand, présent. Estella Garcia, absente et a donné pouvoir à Vincent Durand. Fabrice Pacalin. Il faudra signer aussi, Fabrice. Hein. Tu penseras à signer. Fabien Rajon, absent et a donné pouvoir à Claire Durand. José Rodriguez, absent et a donné pouvoir à Ella Mahoun. Géraldine Stival, absente, mais elle est annoncée avec un peu de retard. Gilles Bourdier, Jean-Michel Ferruy, absent. Est-ce que j'ai bien appelé tout le monde? C'est tout bon? Donc le quorum a été vérifié, le quorum est atteint, donc on peut délibérer normalement. Dans les informations générales, je dois vous rappeler qu'il y a des affiches qui sont à disposition à l'entrée et qui concernent la réunion publique lié à la présentation du règlement local de publicité intercommunale. Deux affiches par commune pour que vous puissiez les afficher dans vos mairies. Ou ailleurs, d'ailleurs, sur les panneaux extérieurs. Je vous rappelle aussi qu'après le conseil communautaire, comme le veut la tradition, on aura une petite collation qui sera servie en salle des commissions.
Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Et je crois que pour cette séance, c'est Laurent Michel qui est notre candidat naturel. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Je dois également vous faire part des décisions du président depuis le dernier conseil communautaire. Donc ça va être assez rapide puisqu'il n'y a qu'une seule décision. Ça ne sous-entend pas qu'on n'a pas fait grand-chose depuis la dernière fois. Hein. Donc le 7 octobre, la décision 167 et qui concerne une demande de subvention au conseil départemental de l'Isère pour les travaux PDIPR du chemin du Menou à Saint-Jean-d'Avelane. Avec la convocation, vous avez reçu le rapport, le compte-rendu de notre dernier conseil communautaire, qui était en date du 26 septembre. Est-ce que ce rapport, enfin, ce compte-rendu plus exactement, appelle des commentaires? Pas de commentaires. Je vous propose donc de le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, ce compte-rendu est adopté à l'unanimité. Alors, traditionnellement, j'essaye à chaque conseil communautaire de faire une information sur les projets, l'actualité, l'avancement d'un certain nombre de travaux au sein de la communauté de communes. Ces derniers temps, on s'est vu pas mal, notamment dans le cadre du travail qu'on mène sur l'élaboration du pacte fiscal, financier et de solidarité. On n'a pas fini, on doit se voir encore prochainement. Donc on a convenu, et il y a un autre événement, c'est qu'on a la semaine prochaine nos rencontres territoriales, l'idée étant d'associer au maximum les élus municipaux à la vie de notre communauté de communes, en tout cas à minima, de les tenir informés des projets sur lesquels on travaille, et le fonctionnement de la collectivité. Donc deux rencontres territoriales prévues la semaine prochaine, une à Val-de-Virieux, le mardi 12 septembre et une à Aoste, 12 novembre, pardon, et une à Aoste le jeudi 14 novembre. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à relancer vos conseillers municipaux. On a aujourd'hui le même nombre de participants que les rencontres territoriales de l'an prochain. On doit pouvoir faire mieux. Je trouve que c'est important de pouvoir informer, échanger avec l'ensemble des conseillers municipaux. Donc n'hésitez pas à relancer vos collègues pour qu'on ait la participation maximum à ces deux soirées. Alors du coup, je vous épargne mon intervention, mais je vous propose de la remplacer par une autre. Et on a pensé que ça serait intéressant de vous faire une information sur l'état d'avancement du plan alimentaire territorial. Et donc Philippe Guérin va vous parler du plan alimentaire territorial et de tout ce qui a déjà été engagé. Merci, merci Président. Oui, parce qu'on est un petit rappel, c'est qu'effectivement, on avait validé en décembre, on avait délibéré ce plan d'action du PAT, donc en décembre de 2023. Et ça me semblait important qu'on puisse faire un état d'avancement des actions qui sont menées. Parce qu'il y a des choses qui, on voit que c'est, il y a des actions, il y a beaucoup de choses qui sont que mènent les services. C'est important de faire cet état des lieux. Vous verrez qu'il y a que ça avance. Donc rappelez que c'est le plan d'action. Il s'intègre complètement dans le projet de territoire et c'est en pleine parfaite synergie avec le schéma directeur agriculture. Je vous rappelle les orientations de ce PAT. Hein, tout ce qui concerne la protection du foncier agricole, l'accompagnement d'installation des jeunes agriculteurs, tout ce qui concerne le renforcement de l'économie des exploitations et encourager au développement de la valeur ajoutée dans les exploitations, tout ce qui contribue au développement des filières, tout ce qui concerne la valorisation des filières locales dans l'alimentation, que ce soit pour la population, mais aussi dans les cantines. Renforcer aussi la solidarité dans cette valorisation. Et puis, c'est communiquer et valoriser l'agriculture sur l'agriculture du territoire. Alors, sur la protection du foncier, on l'avait vu au dernier conseil des maires. Donc, on a bien programmé une première réunion de travail d'ici la fin de l'année ou début 2025 avec les communes intéressées et avec la participation de Cyril Madinier, le vice-président du département en charge de cette thématique, pour travailler sur le déploiement d'un PAEN, un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels. Je vous rappelle, il y avait 5 communes concernées, Aoste, Chimilin, Gragneux,
Romagneux et puis Pressin qui aussi s'est rajouté sur cette approche. Donc on a un calage de date entre Roger Marcel et Cyril Madinier qu'il faut caler. C'est pour ça que l'objectif c'est de faire ça début décembre. On verra si on arrive à trouver un créneau de date. Voilà donc en termes d'enjeux sur cette protection du foncier agricole, une première action. Concernant l'installation des jeunes, et ça en complète synergie avec toutes les démarches initiées par la profession agricole, puisqu'il y a déjà des dispositifs forts d'accompagnement autour de l'installation par la profession agricole, l'État, la région et le département. L'idée là est de contribuer à travailler au déploiement d'un dispositif de prêt d'honneur à taux zéro. Prêts d'honneur qui se complètent aussi des prêts qu'octroie aussi la région actuellement. Donc c'est bien d'être complémentaire avec toutes les démarches autour des démarches d'installation. Il faut savoir quand même que ces dispositifs, on s'appuiera sur INI, Initiative Nord-Isère, hein, qui sera un peu la cheville ouvrière après dans la mise en œuvre. C'est de participer globalement au financement des projets et contribuer à augmenter les effets levier bancaires. On est aujourd'hui à 1 euro de prêt d'honneur, c'est 6 euros de capacité d'investissement. Si on complète, on peut aller même jusqu'à 13 euros, vous voyez, donc d'être un effet levier pour tous les projets concernant l'installation. Et l'objectif de déploiement, c'est qu'on puisse le faire au premier semestre 2025. Concernant l'économie des exploitations agricoles, l'objectif aujourd'hui, on réfléchit avec le département et la région pour apporter des aides économiques à l'investissement en complément des aides de l'Union européenne, de la région et du département. Et là, les services ont rencontré la région et le département. Et l'objectif est que nous, au niveau des Vallées du Dauphiné, c'est qu'on ait un véritable effet levier visible et d'être fortement en synergie des dispositifs existants. Il ne s'agit pas d'être supplétif. Parce qu'il y a moins de financement européen, mais d'être vraiment opérationnel et de répondre à tout type de projet, bien sûr en orientation aux projets de territoire et au plan alimentaire territorial. Il faut bien qu'on réponde aux objectifs, aux orientations fixées. Là aussi, il y aura une délibération à prendre, je pense au tout début de l'année 2025. On a mis en place un groupe de travail composé d'agriculteurs et d'élus. Donc, il va pour bien travailler, faire des propositions de critères, parce qu'il faut qu'on ait une politique claire en termes de critères d'attribution de financement. Il se réunit le 2 décembre prochain et le département a invité les EPCI qui s'impliqueraient dans un financement d'apport de financement ou d'aide aux investissements. Donc, le 4 décembre, avec Cyril Madinier. Je pense qu'il y a les Balcons du Dauphiné, il y a Hébert, entre Bièvre et Rhône, et puis donc les Vals du Dauphiné. On a une réunion de travail pour voir comment on peut s'impliquer dans les aides aux investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devra signer des conventions avec le département et avec la région pour avoir les autorisations de financement dans ce cadre-là. Voilà, donc là, c'est l'objectif de déployer, d'être opérationnel au premier semestre 2025. Sur les filières, il y a un échange avec les maraîchers du territoire qui a lieu courant novembre avec l'objectif de structurer une filière légumes sur le territoire, mais aussi en ne le faisant pas seul, mais en s'appuyant aussi sur des démarches qui ont lieu aussi dans d'autres territoires du département, notamment je pense à l'association Terre d'Isère qui valorise aujourd'hui des légumes et qui structure et qui commercialise. Donc il n'y a pas que ça, mais voilà. Et puis de voir avec les agriculteurs qui veulent aussi s'impliquer ou diversifier. Donc ça, c'est un vrai besoin au niveau territorial. Et donc, on travaille avec les réunions avec les personnes concernées en novembre. En parallèle, on va avoir le rendu d'une étude qu'on avait validée sur les circuits courts du territoire en lien avec cette étude réalisée par les trois chambres consulaires, chambre de commerce, chambre des métiers et chambre d'agriculture, puisqu'il s'agit bien de voir l'ensemble des maillons. Les approches de commercialisation, elles sont diverses et ça concerne tous les corps de métier. En aval sur la partie commercialisation. Je pense notamment aux artisans, bouchers, il y a aussi la chambre de commerce sur les approches filières, etc., chambre d'agriculture sur la production et sur l'organisation de filières locales. Donc ça va nous aider aussi à avoir cette politique en termes et de bien la caler sur le développement des filières. Il s'agit aussi de valoriser les filières locales dans l'alimentation.
Et donc là, dans un premier temps, c'est bien d'accompagner les collectivités. Donc il y a un travail qui a été mené d'analyse à la fois pour les collectivités qui sont en gestion concédée pour l'alimentation pour les enfants, mais aussi ceux qui sont en gestion directe, hein, qui achètent des produits, qui cuisinent. Je pense à Saint-Victor-de-Cessieux notamment. Il y a aussi il y a d'autres communes qui le font. Le passage également. Donc sur et là, on a donc c'est bien de travailler sur comment on peut mieux valoriser les filières locales. Il y a eu un échange aussi avec la cuisine centrale de la Tour du Pain pour connaître le fonctionnement et l'utilisation des produits locaux en lien avec le groupement d'achat du département qui est opérationnel aujourd'hui et de peut-être et c'est là il s'agit de voir aussi s'il y a un travail en interne avec la communauté de communes des Vallées-Dauphinées sur les achats de produits, notamment par rapport au centre de loisirs. Donc il y a une réflexion en cours. Donc vous voyez, de valoriser cette démarche-là. Et pour toutes les communes en gestion concédée, donc qui font appel à un prestataire, il y aura un cahier des charges socle de base qui sera fourni à toutes les communes prochainement pour pouvoir répondre aux appels d'offres régulièrement, il y a une commune qui est en gestion concédée, a besoin de renouveler son marché auprès d'un prestataire. Donc il y aura un cahier des charges en conformité avec la loi Egalim qui sera proposé pour toutes les communes qui le souhaitent. Sur la solidarité, il y a une réunion avec tous les acteurs, associations caritatives, bailleurs, CCAS, MJC, du territoire qui est organisée très prochainement en lien avec le Cyclome. Le C2D est associé à cette rencontre, puisque dans le cadre de la lettre de saisine, un peu sur qui. Où le CDD peut apporter son appui et apporter des idées, toute la stratégie sur cette thématique-là. Ça a été confié dans le cadre d'une lettre de mission. Donc, ils participeront à cette réunion. Et l'objectif, c'est bien de rassembler toutes les initiatives en faveur de la solidarité, et de la lutte contre la précarité alimentaire, d'avoir un effet aussi, voir quelles sont les actions leviers qu'on peut mettre en œuvre, en la matière. Et puis, un dernier point, c'est de communiquer. Alors, je ne l'ai pas dit sur les filières, mais c'est aussi de travailler sur les marchés, puisqu'il y a des marchés qui se posent, notamment à Chimilin. Donc, voir comment on peut accompagner aussi toutes les démarches de marché de plein vent ou de promotion en lien avec Aime ton marché. Donc, ça, c'est un point qui est travaillé. Et dernier point en cours actuellement, sur de mieux communiquer sur l'agriculture du territoire. Et dans le cadre du plan de communication sur l'agriculture, on avait déjà évoqué, il y aura le déploiement de l'action signalétique avec pose de panneaux pour identifier l'agriculture et les exploitations du territoire. Aujourd'hui, on a recensé, on va démarrer par 31 exploitations demandeuses. L'objectif, c'est d'être opérationnel. Les panneaux vont être commandés et avec des poses qui vont se situer en fabrication. Ce sera plutôt, à mon avis, maintenant janvier, hein, fin décembre, janvier. Donc là, il y aura une communication aussi pour lancer cette opération, ce qui était souhaité. Et puis, il y a la mise à jour de notre carte interactive sur le site des Vallées Dauphinées, avec l'allocation des producteurs fermiers, mais aussi des exploitations qui le souhaitent, sur cette carte interactive au niveau du site des VDD. Voilà, donc voilà une volonté vraiment de rentrer maintenant dans la phase très opérationnelle. Ça a peut-être pris du temps, hein, mais il y a du cadrage, il y a du décalage de faire, et puis même de positionnement des VDD, hein, en termes de cahier des charges, pour qu'on rentre vraiment dans l'opérationnalité en 2025. Et puis on prépare, ça y est, ça avait été une décision aussi, parce qu'on parlera aussi d'alimentation. On travaille avec Faverges de la Tour et avec Marie-Christine Frachon. On fusionne donc les journées, on l'avait annoncé. La fête de la nature et la ruralité en mouvement. Il n'y aura plus qu'une journée l'année prochaine qui s'appellera Nature et ruralité en mouvement, qui aura lieu en juin. La date est presque calée, mais je ne veux pas l'annoncer trop vite. Voilà, en juin 2025. J'attends le feu vert de Faverges, la commune de Faverges, pour bien la communiquer. Et donc, qui sera un événement aussi où on parlera d'agriculture et d'alimentation. Voilà, c'était un point important de faire ce point d'étape assez rapide. Hein, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de toutes les actions qui ont été menées. Et je tiens vraiment à remercier l'implication de toutes des services, des équipes économie et développement durable qui sont très engagées dans la mise en œuvre et la préparation de tout ce dispositif. Voilà, au président, j'étais assez synthétique. Hein. Merci Philippe. C'est vrai que le plan alimentaire territorial embrasse un champ d'action particulièrement large, un champ d'acteurs particulièrement large.
Donc, je pense que c'est important de temps en temps de faire un point d'étape et de vous tenir informé de concrètement ce qui avance. Et là, je pense qu'on en a eu l'exemple là, sur plusieurs domaines d'intervention, de choses très concrètes qui se mettent en place. Est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe en complément de cette intervention ? Non, c'est bon. Eh bien, je vous propose d'attaquer la partie délibérative de notre conseil communautaire. Et on va démarrer par la première délibération qui concerne la mise en place par la communauté de communes d'une application smartphone pour faciliter la communication à destination des usagers. Cette délibération devait être présentée par Benjamin Gastaldello, mais qui n'est pas encore arrivé. Bon. D'accord. Donc, ce que je propose, au pied levé, et on va le remercier par avance pour ça s'il accepte, c'est de solliciter Daniel Witt pour nous présenter cette délibération. Alors, le pied élevé, c'est bon. Bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun. Allez, c'est parti. Benjamin nous rappelle que les Vals du Dauphiné ont inscrit dans le projet de territoire l'ambition de déployer une application gratuite de communication territoriale, notamment en lien avec l'ambition de renforcer la proximité et la réactivité des services communautaires, le tout en s'appuyant sur une technologie largement accessible et répandue. Cette initiative servira également d'autres objectifs stratégiques, tels que l'amélioration de la visibilité de France Service. Les bénéfices sont attendus pour l'ensemble des habitants du territoire. Ils auront ainsi accès en temps réel à des informations essentielles, notamment les événements locaux, les travaux, les risques et les services publics gérés par les Vals du Dauphiné. Ce dispositif améliorera non seulement la rapidité et la pertinence de la communication, mais simplifiera également les démarches administratives tout en encourageant la participation citoyenne. Solution qui vise aussi à renforcer le lien entre la communauté et les habitants en proposant un accès fluide et centralisé à l'information. Après une étude comparative de prestataires opérant sur le territoire des Vals du Dauphiné, Iliwap a été retenu pour ses fonctionnalités avancées, son coût compétitif et sa large adoption déjà sur le territoire, ce qui facilitera l'appropriation par les usagers. Benjamin nous fait valoir que l'amélioration de la communication avec les usagers passe par une centralisation de l'information au travers d'une application unique pour l'ensemble du territoire. Cette unification permettra d'éviter la dispersion des canaux d'information tout en garantissant une communication homogène et efficace. L'abonnement intercommunal comprend la mise à disposition de l'application pour toutes les communes qui le souhaiteront, sans coût additionnel pour celles-ci, ce qui leur laisse néanmoins pleine autonomie dans la gestion et la diffusion de leurs propres informations. L'application offrira également des canaux thématiques spécifiques pour les services de la communauté, comme les médiathèques, les centres aquatiques, la gestion des déchets ou encore la voirie. Le financement de l'application inclut la création d'une plateforme dédiée pour chaque commune, la prise en charge des frais de maintenance et d'hébergement, la formation des utilisateurs en mairie et dans la communauté de communes, ainsi qu'un kit de communication destiné à promouvoir l'outil auprès des usagers. Format d'abonnement annuel, reconduction tacite chaque année à la date anniversaire, coût global de l'abonnement pour l'application Iliwap de hors-taxe 4 687,50 € par an, avec un tarif négocié pour les 4 premières années. L'application sera gratuite et anonyme pour les usagers. Le respect du RGPD est également intégré. Un bilan annuel sera présenté pour évaluer l'impact de l'application sur la communication avec les usagers et identifier les améliorations nécessaires. Il vous est proposé, et c'est la portée de la décision, d'approuver la contractualisation entre notre communauté et Iliwap, d'approuver la prise en charge par la communauté de l'abonnement, de rappeler que les crédits sont prévus et d'autoriser le président à mettre en œuvre
ladite délibération. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Oui, Patrick, si tu peux aller au micro, s'il te plaît. Tu te présentes. Patrick Belmont, maire de Biolle. Alors, sur le principe, nous comprenons que l'exécutif DVDD a envie et besoin de communiquer. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la méthode. Depuis 2020 et le Covid, les communes se sont dotées d'outils pour communiquer. Elles ont également fait l'effort pour rendre vivante l'interaction avec leurs habitants, avec des publications suivies et régulières et ciblées. Le choix des outils sont ce qu'ils sont, mais il y a des nombres importants d'abonnés à ces informations locales et ça fonctionne. Pour rendre cette interaction plus attrayante, un travail a été fait sur les bassins de vie avec les personnes en charge de la communication sur les communes de ces bassins. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, un groupe de travail a été monté entre les communes de Torchefelon, d'Oissin, Sucieux, Saint-Victor-de-Cessieux et Belmont. Il ne s'agissait pas d'harmoniser nos outils, mais d'une part d'échanger entre responsables des solutions adoptées pour la communication et d'autre part de partager des événements locaux. Et ça, ça fonctionne aussi. La solution prise par l'exécutif DVDD d'un choix d'outils nous semble confondre les moyens avec les objectifs. L'outil ne résout pas le problème s'il n'est pas adapté aux attentes des personnes réceptrices. L'alternative serait d'encourager les initiatives de réseaux locaux de bassins de vie et d'en réunir les participants pour optimiser les procédures de transfert d'informations souhaitées par l'exécutif. En un mot, favoriser l'usage des gens en place et le local au détriment de l'uniformisation d'outils. La solution envisagée par les VDD, je ne suis pas certain que cela fonctionne. Bien, merci de cette intervention. J'aurais bien aimé que Benjamin soit là pour répondre. Je vais peut-être tenter d'apporter quelques compléments. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le besoin initial, c'était le besoin d'un outil de communication pour les Vals du Dauphiné. C'est ça, le besoin initial. Comment nous, on peut communiquer, on peut pousser l'information, puisque c'est effectivement un outil que pas mal de communes, le principe de l'outil, avait développé, pas toutes, mais la communauté de communes n'avait pas d'outil. Et donc, on a lancé une réflexion pour dire de quelle façon on peut communiquer. On a trouvé que cet outil était intéressant. Il y a eu un travail d'analyse des offres du marché. Je crois de mémoire qu'il y a 4 prestataires qui ont été étudiés, dans le détail avec le comparatif des fonctionnalités, le comparatif des coûts. Et puis, à partir de ce travail qui concernait essentiellement le besoin des VDD, il a été identifié finalement qu'il y avait à peine plus de 60% des communes qui étaient dotées d'un outil de communication de ce type-là. Et donc l'idée a germé de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas partager, est-ce que ça ne pourrait pas être un sujet de mutualisation pour permettre aux communes qui n'en sont pas dotées de se doter également d'un outil. Et puis en poussant la réflexion, il est apparu aussi qu'il pouvait être intéressant de proposer d'aller vers une forme d'harmonisation de l'outil pour ceux qui le souhaitaient, hein, il n'y a absolument aucune obligation, pour simplifier peut-être les plateformes de communication, le format des communications et le relais des communications. Et donc cette idée a paru également intéressante et c'est pour la raison pour laquelle il a été imaginé de faire une présentation en conférence des maires. Alors, je n'ai plus la date en tête, hein, c'était encore notre précédent responsable communication qui a fait ça, c'était Valérian Brûlant qui a fait tout ce travail, qui a été présenté. Un certain nombre d'avis ont été émis. Et j'ai souvenir qu'effectivement, il y avait eu une intervention de votre part, hein, avec quelques préoccupations en disant « nous, on utilise un autre outil, on aimerait bien pouvoir le conserver ». Et donc, à la suite de cette intervention, on a fait en sorte que puisse poursuivre la concertation. Et Cécile Dujardin, qui assure la responsabilité du service communication, est venue vous rencontrer, je crois, pour échanger, pour recueillir vos réticences.
Mais encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation pour les communes d'adhérer à ce service. Et puis en complément, ce que je dois rajouter, c'est que globalement, ce qu'on a regardé, c'est que si on passait sur une plateforme mutualisée, on allait vers une économie de coûts. Alors, je n'ai plus le montant en tête, mais globalement, pour le territoire, on pouvait faire baisser les coûts liés à la mise en œuvre d'un outil de communication entre le fait que ce soit une démarche un peu mutualisée et centralisée et le fait que chaque commune conserve son propre outil de communication. À la suite de ça, et compte tenu de ce qui nous a été rapporté de l'entretien mené par Cécile, il y a une discussion qui s'est établie lors d'un bureau exécutif. Donc les discussions ont conduit à confirmer qu'on pensait que globalement, pour le territoire, il y avait un intérêt, mais en précisant bien que chaque commune gardait l'autonomie en termes de communication sur les activités de sa commune, et chaque commune gardait le libre choix de dire « j'adhère à ce service » ou « je garde les outils en place parce qu'ils nous semblent plus pertinents, parce qu'il y a un historique ». Voilà. Donc je pense qu'en termes de processus de réflexion et d'instruction de la démarche, on a respecté un certain nombre d'étapes qui me semblaient utiles. Là où je pense qu'on peut tirer quelques enseignements, c'est que par rapport à ce que tu évoques, Patrick, sur la coordination qui s'est mise en place à l'échelle d'un bassin de vie entre responsables de communication, et que je connais bien, puisque en tant que, tu l'as rappelé, en tant que maire de Torcholon, on a une adjointe qui participe à ces démarches, et elle me rapporte un petit peu les échanges qu'il peut y avoir dans ces réunions. Je pense que ça pose une question, c'est comment est traité le sujet de la coordination de la communication à l'échelle du territoire. Et on s'est aperçu qu'effectivement, à ce jour, on n'a pas d'instance qui permet de se concerter sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble en termes de communication. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi le canal de la conférence des maires. Mais peut-être que ça peut susciter une réflexion qu'on se doit de mener. C'est ne faudrait-il pas avoir une commission communication au même titre qu'on a des commissions sur les autres compétences? Ou peut-être, s'il n'y a pas suffisamment de thématiques à traiter, le rattacher ce sujet-là à une commission déjà existante. En tout cas, c'est une réflexion qu'on se propose de mener. Oui, moi, je voudrais insister sur la réflexion qui a été profonde, qui a été diverse, avec Valérian notamment, avant la reprise par Cécile. Le fait qu'on ait évoqué dans différents cadres, la conférence des maires, le bureau aussi communautaire, et puis le fait que des communes ne se soient pas engagées jusqu'à présent en se disant « c'est une thématique dans laquelle la communauté doit être en première ligne ». Et donc, attendons, et puis on va y aller. Ce qui fait que quand on regarde les différents opérateurs sur le territoire, il y en a plusieurs. Il y a Eliwab d'abord, et puis il y en a d'autres ensuite. Et puis, il y a des communes qui n'ont pas fait le choix. Panopocket, je crois que vous disiez Panopocket, c'est ça. Hein. Et puis, Saint-Didier a son application, et d'autres. Et il y en a 4 ou 5 sur le territoire. Et puis, il y a des communes qui se disent, nous, on s'engagera quand on aura une démarche plus globale. Donc, ça, c'est, voilà. Et dernier point. Il est bien spécifié dans la délibération que l'on fera un bilan au bout d'une année. Donc, moi, je propose que dans un an, y compris en lien avec votre réflexion, on voit comment les choses se passent et si on a des ajustements à prévoir. Je trouve que c'est une très bonne initiative du territoire. Il y a des spécificités, donc on les entend. Et il ne s'agit pas de les mettre en difficulté. La main est tendue à tous ceux qui veulent s'intégrer à la démarche de territoire. Et puis, on fera le bilan. Et s'il faut que l'on améliore, on sera ravis d'améliorer tous ensemble dans un an. Et en parallèle, on regarde si on peut effectivement créer, s'il serait judicieux de créer une commission communication. Parce qu'il me semble a priori que ça fait du sens. Y a-t-il d'autres interventions, Cédric ? Cédric Milani, maire de Saint-Albin-d'Auxerre. Ma question, moi, c'est est-ce que le risque pour les communes qui souhaitent adhérer
et vous suivre dans cette démarche. Est-ce qu'il y a un risque que dans un an, vous souhaitiez l'arrêter ? En tout cas... Parce que moi, j'ai une application personnelle gratuite, donc je suis prêt à suivre au niveau de la commune. Mais derrière, c'est parce que c'est aujourd'hui gratuit pour les communes qui adhèrent. Mais si vous me dites dans un an, on risque de revenir en arrière, c'est pas la même chose. Et je crois pas que c'est ce qui était dit à la conférence des maires. En tout cas, c'est pas l'intention. Hein, si on a choisi, parce qu'encore une fois, il y a eu un travail d'analyse des offres disponibles sur le marché qui a été très détaillé. J'ai encore en tête les tableaux qui nous ont été présentés pour comparer les différentes offres. Et donc toutes les fonctionnalités ont été regardées. Il y a pas mal de communes qui ont expérimenté cet outil et qui ont poursuivi l'adhésion à cet outil. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de raison que cet outil soit remis en cause dans un an. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Eh bien, portée de la décision, il s'agit d'approuver la contractualisation entre la communauté de communes et le prestataire IDIWA pour le déploiement de l'application smartphone pour une durée d'un an reconductible tacitement et d'approuver la prise en charge par la communauté de communes de l'abonnement des communes étant sur IDIWA ou souhaitant basculer sur l'application, sachant que le prix de l'abonnement intercommunal est inchangé. Et dire bien évidemment que les crédits sont prévus au chapitre 11. Y a-t-il des oppositions ? Deux oppositions ? Vous avez noté ? C'est bon ? Des abstentions ? Non ? Eh bien, je vous remercie. Décision adoptée. Projet de délibération 1.2. Et il s'agit de la modification de la composition de la commission d'appel d'offres. La parole est à Daniel Witt. En début de mandat, nous avions mis en place notre CAO, notre commission d'appel d'offres, que je préside et composée de 4 titulaires et de 4 suppléants. Au fil des années, nous avons perdu des titulaires, chaque fois remplacés par un suppléant. Et nous avons même, il y a 18 mois, avec le nouvel exécutif, imaginé que l'on pourrait profiter pour compléter notre CAO. Mais là, la sous-préfecture nous a dit, pas question, les textes sont clairs, vous ne pourrez compléter votre CAO que lorsqu'il n'y aura plus assez de suppléants pour remplacer les titulaires qui s'en vont. Donc ce soir, nous remplaçons Jean-Paul Paget, membre titulaire de la CAO, qui n'est plus élu municipal, et nous le remplaçons par un suppléant qui est Philippe Latour. Et après cette désignation, il nous restera un seul suppléant, qui est Roger Marcel, et 4 titulaires. Jean-Louis Reynaud, titulaire depuis le départ. Patrick Belmont, qui était suppléant et qui est passé titulaire. Nicolas Solier, qui était suppléant, qui est passé titulaire. Et ce soir, Philippe Latour, qui est suppléant et qui passe titulaire. Voilà, donc portée de la décision, remplacer Jean-Paul Paget par Philippe Latour et mettre en œuvre cette délibération. Pardon ? Oh ben j'en ai oublié, donc c'est pas 4, c'était 5. Et il y a un petit nouveau qui démarre, qui s'appelle Laurent Michel, que j'ai oublié. Voilà. Mais, qui est bien inscrit dans la délibération. Voilà. Et vous voyez pourquoi on le met secrétaire de séance. Et voilà. Merci Laurent, avec toutes mes excuses. Voilà. Et Laurent, qui est titulaire depuis le départ, comme Jean-Louis. On est d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, le porté de la décision a été rappelé par Daniel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération 1.3 et qui concerne un sujet que vous avez certainement déjà évoqué par ailleurs dans vos communes. C'est la convention d'adhésion au contrat groupe prévoyance du centre de gestion de l'Isère pour la période 2025-2030. Et la parole est de nouveau à Daniel. Oui, alors cette délibération, soit vos communes l'ont déjà adoptée, soit elle sera adoptée rapidement, puisqu'il faut que nous soyons tous en ordre de marche pour le 1er janvier. Alors, nous parlons de prévoyance,
rien à voir avec les mutuelles santé que l'on connaît bien. La prévoyance, c'est l'assurance qui prend le relais de la sécurité sociale lorsque nos agents sont en arrêt d'une durée assez longue. Au bout de 3 mois, la sécurité sociale baisse à 50% l'indemnisation et la prévoyance prend le relais. L'État a décidé de faire une mise à plat au 1er janvier prochain et demande à ce que tous les contrats en cours soient résiliés au 31 décembre. Et dans le même temps, l'État a demandé aux centres de gestion, chacun sur son territoire, de lancer une consultation de manière à choisir un prestataire avec les nouvelles règles et de faire en sorte que ce prestataire puisse être opérationnel au 1er janvier. Le centre de gestion de l'Isère a choisi Collectim, qui est une filiale du groupe d'assurance Alliance. Les règles nouvelles, je vais en citer deux qui sont les plus importantes pour nos salariés. La première, c'est que dans la formule de base, obligatoirement, les indemnités journalières seront incluses. Dans le précédent contrat, il y avait toute une série d'options. Là, d'entrée, il y a les indemnités journalières de manière à essayer d'inciter les salariés à avoir cette garantie essentielle. Deuxième élément, également très important, dans les contrats actuels, les indemnités journalières sont versées en ne prenant en compte, dans la part salaire, que la part grille fonction publique, sans tenir compte du régime indemnitaire. Et quand on sait que le régime indemnitaire, c'est de l'ordre de 40%, ça veut dire que les indemnités étaient calculées sur 60% du salaire et pas la totalité. Dans le nouveau contrat, c'est le salaire complet qui sera pris en compte pour le versement des indemnités. Conséquence, puisqu'on parle d'assurance de risque et de prime, l'assiette de cotisation sera la totalité du salaire et ça veut dire que les primes seront nettement plus élevées. Alors, dire plus élevé de combien, c'est difficile parce que comme il y avait plein d'options dans le contrat précédent, les salariés avaient des participations très différentes. Mais on sait que les primes seront plus élevées et une inquiétude, puisque au moins dans un premier temps, il n'y aura pas d'obligation à souscrire les contrats. L'inquiétude, c'est que certains salariés se disent c'est trop coûteux et nous renonçons à la couverture. Les services des VDD ont calculé la prime du contrat standard. On n'a pas pris les cadres qui, eux, vont cotiser sur une assiette plus importante, mais on a pris le salarié standard. Et ce salarié, pour un temps plein, aura une cotisation d'un peu plus de 49 euros par mois. Ce qui, par rapport aux différentes formules précédentes, est toujours synonyme d'une hausse non négligeable. Jusqu'à présent, notre part employeur était de 20 euros pour les temps complets, avec une proratisation pour les temps partiels, 20 euros par mois. Et compte tenu de l'augmentation de la prime et des 49 et quelques euros que j'évoquais, il vous est proposé de porter de 20 à 25 euros. Pourquoi 25 ? Pour répondre à l'incitation nationale, le souhait que les collectivités participent à 50%. Et donc, nous, avec 49 et quelques, nos 25 permettront d'avoir les 50% et d'inciter nos salariés, nos collaborateurs et collaboratrices à prendre en charge les 50% restants. Dernier point, pour donner une idée du surcoût de notre implication. Bien sûr, on ne va pas pouvoir dire aujourd'hui il y aura tant de personnes qui vont prendre le contrat, mais je peux donner quand même le maximum qu'on n'atteindra pas, mais qui donne une bonne perspective. Si on prend 250 salariés et si on les considère tous à temps complet à 5 euros, ça fera 15 000 euros supplémentaires par an pour la communauté. On sera probablement un peu en dessous, mais ça donne quand même une idée assez précise. Donc, nous délibérons ce soir. Les salariés ont été informés. Le prestataire Collectim est venu. Il y a eu plusieurs séances d'information ici qui étaient ouvertes d'ailleurs aux salariés des communes. Certains sont venus pour se renseigner.
les salariés doivent résilier à la fin du mois de novembre, avec le préavis d'un mois pour que tout soit terminé dans les anciens contrats en décembre. Et ils doivent souscrire d'ici fin décembre. Et au 1er janvier, les nouveaux contrats vont pouvoir s'appliquer. Alors, là, c'est la mise à jour nationale pour la prévoyance. Et dans un an, nous aurons la mise à jour pour les mutuelles. Donc là aussi, il y aura une révision et probablement aussi avec des coûts à la clé. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Bonsoir, Jean-Louis Reynaud, maire de Pressin. Je voulais juste apporter des précisions, puisqu'on a travaillé le dossier. C'est que la part patronale donc de 50% sera applicable automatiquement à partir de 2026, si j'ai bien lu les textes. Et deuxième chose, donc les options, parce qu'il reste toujours des options dans le plan prévoyance, donc ne sont pas prises en charge par l'employeur. Enfin, il n'y a pas obligation de le prendre en charge par l'employeur. Oui, et parmi les options, il y a notamment l'assurance décès. Absolument. Et on peut aussi imaginer qu'il y aura des évolutions et qu'un jour, il y aura une obligation pour les salariés. Mais pour l'instant, on démarre comme ça, c'est sur la base du volontariat. Président. Pas d'autres questions ? Eh bien, je vous propose de passer au vote pour la décision suivante. Il s'agit d'adhérer au contrat du groupe prévoyance du centre de gestion de l'Isère pour la période 2025-2030. Selon les conditions qui vous ont été rappelées à l'instant par Daniel, et dire que les crédits sont bien prévus au chapitre 012. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, décision à l'unanimité et merci. Projet de délibération 1.4 qui concerne la création de postes pour novembre 2024 et la parole est redonnée à Daniel Witt. Alors, il s'agit ce soir d'une délibération courte qui porte sur la création de deux postes. Et en décembre, nous aurons un toilettage pour supprimer un certain nombre de postes. Il y aura notamment les deux postes qui correspondent aux personnes pour lesquelles nous créons un nouveau poste. Je l'ai déjà dit, nous avons une obligation très administrative de faire les choses. Moi, je rêve qu'un jour, on prenne le salarié comme élément central avec un matricule et puis les aspects administratifs s'adapteront. Là, pour l'instant, c'est l'aspect administratif qui compte et les salariés et les employeurs doivent s'adapter. Et premier exemple, nous avons un salarié qui est un électromécanicien qui travaille au Val du Dauphiné, qui passe un concours, qui réussit ce concours, ce qui nous arrange bien parce que ça nous permet de lui donner des fonctions qui correspondent à sa nouvelle qualification. Et donc, nous allons le nommer sur ce poste. Oui, mais il faut créer ce poste parce que le libellé n'est pas tout à fait le même que précédemment. Et ça implique la création du poste pour ce salarié électromécanicien. Alors, le poste à créer, c'est le poste... le poste de technicien territorial j'ai plus en tête l'intitulé précis et nous supprimerons le poste précédent après avis du conseil du comité social territorial. Deuxième raison, nous avons embauché une collaboratrice pour les médiathèques, c'est une remplaçante d'une personne qui a terminé un CDD. Là aussi, l'intitulé de son grade n'est pas tout à fait le même. Et là, il faut créer ce poste d'adjoint du patrimoine. Et puis, nous supprimerons le poste précédent au mois de décembre. Donc voilà, deux seules créations de postes pour des personnes qui sont chez nous, mais qui administrativement ne peuvent pas être nommées parce que le poste actuel n'est pas tout à fait le même que le précédent, que le suivant. Voilà. Je suis toujours très heureux de présenter des aspects aussi administratifs. Voilà. Mais un jour, ça pourra changer, j'espère. On a des marges de progression.
Y a-t-il des remarques ou des questions ? Eh bien, s'il n'y en a pas, y a-t-il des oppositions à l'adoption de cette délibération ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. On passe à la délibération 2.1 qui concerne les grands travaux et le bâtiment. Donc, notamment, un contrat. Je vous ai proposé un contrat pour les études de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de réhabilitation et d'extension du centre des Vals du Dauphiné. Alors, ça va être une première pour Christelle Bas. C'est pour ça qu'elle a rejoint la table pour être face à vous. Ah, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Bon, ben maintenant, c'est de la routine, alors. Et en tout cas, j'en profite pour souligner le travail qui est fait à la fois par le service patrimoine sur tous nos bâtiments, mais également par Christelle, qui a des rencontres régulières avec l'équipe du patrimoine, et sur lequel on voit des résultats tangibles dans l'amélioration du fonctionnement de nos bâtiments. Le dernier exemple en date, et on en a fait une revue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est nos piscines. On a regardé de manière précise le taux de disponibilité de nos piscines, le taux de fréquentation, et on voit des améliorations fortes grâce à tous les efforts qu'on a faits, notamment au niveau des interventions techniques et de la, le fait d'avoir repris en direct les opérations de maintenance les plus courantes. Voilà, donc merci à l'équipe du patrimoine et merci à Christelle. Et puis, je donne la parole à Christelle pour nous présenter cette délibération. Alors, la délibération concerne la signature d'un contrat. Un contrat de quasi-régie pour des études de programmation et d'assistance à MEO pour le projet de réhabilitation et d'extension du siège des Vals du Dauphiné. Donc, ça rentre dans le projet de territoire, cette rénovation de siège. Et surtout, elle a pour but de transformer ce site composé de plusieurs bâtiments et des bâtiments qui ne sont pas forcément en très, très bon état, vieillissants et peu adaptés aux usages. Afin de créer un lieu fonctionnel pour accueillir le public, les services et puis les élus aussi. Donc, on voudrait donc regrouper les services au possible, réaliser un projet exemplaire aussi bien au niveau environnement qu'au niveau performance énergétique et thermique. Et on voudrait aussi éviter d'utiliser une grande partie du terrain qui est ici parce qu'on a des obligations aussi par rapport aux lieux qui sont classés. Donc on va essayer de limiter l'artificialisation des sols au possible, mais de faire quelque chose de bien pour pouvoir tout rassembler ici. Donc pour cela, il faut qu'on soit accompagné pour définir notre projet et pour signer un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc dans le contrat, on voudrait réaliser une étude de faisabilité et une préprogrammation, une étude de conception du programme technique détaillé, une assistance à la passation du concours de maîtrise d'œuvre. Donc tout cela a un coût, et le coût de cette opération serait de 51 163,45 euros hors taxes. Donc on voudrait proposer cette prestation à Isère Aménagement, qui est partie du groupe Elegia. Donc c'est un contrat en quasi-régie. Donc, c'est un contrat qui n'a pas besoin de publicité ni de mise en concurrence entre deux personnes morales du fait d'un lien spécifique. Alors, pour vous expliquer, en fait, Elegia, c'est une SPL et donc gérée par des collectivités, donc par 48 actionnaires. Et donc, le comité de communes fait partie des 48 actionnaires. Donc, toutes les Comcom sont adhérentes, plus des grandes communes et d'autres organismes. Donc, le travail d'Elegia, la filiale, ça serait Isère Aménagement. Donc, ce travail, ça serait de concerter les agents et les élus. Vous avez dû tous recevoir déjà des enquêtes pour répondre un petit peu à vos attentes. Donc, tout le personnel a aussi déjà reçu un questionnaire. Et le but, c'est d'apprécier la faisabilité technique et financière du projet à travers plusieurs scénarios. Et définir précisément le programme en intégrant les besoins et contraintes fonctionnelles, réglementaires et techniques pour établir un scénario. D'organiser un concours d'architecture et ensuite d'analyser les candidatures de maîtrise d'œuvre et de sélectionner le projet d'architecture le plus pertinent. Donc, le but de la délibération, c'est d'approuver la signature du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec Elegia
pour le projet de réhabilitation et d'extension du siège social des VDD. Les crédits pour cette étude sont prévus au compte 2031. Et je vous demande aussi d'autoriser le président ou, en cas d'empêchement, un vice-président à signer au nom et pour le compte de la communauté de communes toute pièce administrative, technique et financière nécessaire à l'application de la présente délibération. Y a-t-il des questions par rapport à cette proposition de délibération ? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Une opposition ? Non, une question ? Ah bon, bah vas-y, pardon, je t'ai pas vu. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Michel Crayemer, maire de Saint-Andrin. Je voudrais savoir si, dans le coût présenté pour l'assistance AMO, si c'est uniquement pour l'étude ou si c'est également l'accompagnement durant la phase travaux. Après, ça sera un autre... Ça marche. En fait, c'est des options. D'accord. Donc, ça sera à nous de choisir les options. Pour la phase étude. La programmation, étude et programmation. D'accord. Merci. D'autres questions ? Non ? Alors, on revient au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité. Projet de délibération 2.2. qui concerne une modification du périmètre de l'espace naturel sensible de l'étang de Reculfort à Pont-de-Beauvoisin. Il se trouve que Marie-Christine m'a fait savoir qu'elle ne serait pas présente ce soir. Je l'annonçais tout à l'heure quand on a fait l'appel. Et donc, c'est Philippe Guérin qui va présenter cette délibération. La parole est à Philippe. Donc, c'est un travail que... qui concerne la réflexion de la commission autour de l'espace naturel sensible de l'étang de Reculfort sur la commune de Pont-de-Beauvoisin. Michel pourra compléter tout à fait par rapport à cette présentation qui est reconnue, c'est un ES. Il faut savoir que le département, il y a plusieurs dans le territoire, on est riche en ES, en espace naturel sensible. Cet étang est reconnu d'intérêt patrimonial et labellisé espace naturel sensible en 2010. Et il faut savoir qu'on définit pour les ENS des zones d'intervention. Et au titre des ENS, une zone d'intervention a été créée sur ce site, une surface de 46 hectares, 71 ares, 82 centiares. Ça avait été délibéré par la commission permanente du département de l'Isère, le conseil départemental. Et le travail qui a été mené au niveau de la commission, et afin de préserver toute la richesse patrimoniale du site, et après, donc, à travailler sur cet ENS, il apparaît pertinent de modifier la zone d'intervention et de l'accroître de 7 hectares 12. Il y a en annexe, je ne sais pas si vous avez vu l'annexe concernant cet ENS, il y a d'une part une parcelle associative, un étang qui est géré par une association de pêche privée, et puis il y a plusieurs parcelles, dont une parcelle communale sur deux ponts, et deux parcelles qui appartiennent à des privés. Donc, il apparaît très important d'accroître cette zone d'intervention qui passerait donc à 53 hectares, 83 arts. Et donc, vu l'intérêt patrimonial, il est primordial que la commune et l'interco puissent disposer de cette maîtrise foncière pour gérer cet espace à long terme et établir un plan de gestion. Et donc, dans le porté de la décision, c'est d'approuver donc la modification du périmètre de l'espace naturel sensible de l'étang de Reculfort à Pont-de-Beauvoisin, avec un passage de 46 hectares 71 à 53 hectares 83. Et puis, dans ce cadre-là, de demander au conseil départemental de l'Isère, au département de l'Isère, l'autorisation de modifier le périmètre de l'espace naturel sensible de Reculfort sur la commune de Pont-de-Beauvoisin, parce qu'il faut qu'il délibère aussi par rapport à l'intervention, à cette zone d'intervention. Voilà, et puis d'autoriser le président à signer toute pièce concernant cette évolution et cette délibération. Voilà, président. Y a-t-il des questions ? Donc, Jean-Louis Reynaud, maire de Pressin, mais c'est le président du SIAGA qui pose la question. Pour l'acquisition donc, des surfaces supplémentaires, est-ce qu'elle se fera par acquisition des terrains ou par conventionnement ?
avec les propriétaires? Là, tu me poses... je n'ai pas forcément la réponse, à moins que Michel ait la réponse. Et moi, je crois qu'on va noter la question, à moins que dans les services, vous n'ayez pas la réponse non plus. Je pense que c'est des conventions, notamment dans un... Parce que je crois qu'on le gère, nous, sur... sur les plans de gestion, c'est des communes, et puis les propriétaires. Et puis après, privés. Les propriétaires sont associés au plan de gestion. Ouais, quoi, de façon classique. Quoi. Ouais, ouais, enfin, généralement, dans un NS, c'est comme ça. Hein, c'est pas forcément. Ouais, de... ouais. Mais si c'est dans le plan de gestion. Du coup, si... et puis, il faut qu'il y ait au moins 50% des propriétaires impliqués dans la gestion, hein, pour le... ce qui est le cas hein, déjà. Mm. Et je crois que, d'après ce que m'a dit Maxime Alessane, il y a un accord de l'association de pêche pour aussi, rentrer dans le NS, donc, et donc pour que la zone soit intégrée. Puis bon, pour la commune de Pont, je laisserai Michel intervenir. Il y a un accord, je crois, pour donc rentrer que cette parcelle rentre dans le périmètre d'intervention. Donc de fait, après, c'est des partenariats ou des conventions qui sont élaborées. Autre juste sur cette question. À vérifier. Voilà. Jean-Louis, juste sur cette question, je demande à Stéphane Christophe, qui est responsable du service développement durable, d'apporter la réponse. Si ça va à tout le monde, il te l'envoie directement. Mais si il y a plus de personnes qui sont intéressées, on envoie une réponse collective. Autre point, à ma connaissance, l'association qui gère les temps a un projet MAR. Est-ce que dans cette extension de l'ENS, le projet MAR de cette association sera pris en compte et comment? Jean-Louis, le projet, il y avait un projet, et le projet, on n'a encore pas vu les prémices. Oui, il y a un projet. Et ça fait un petit moment qu'il y a un projet. Qui est projet, quoi. D'accord, mais il y a des projets qui restent toujours à l'état embryonnaire. Okay. Merci. Bon, on rajoute ce point, Stéphane, à la réponse à apporter à Jean-Louis Reynaud. Pas d'autres questions ? Aujourd'hui, c'est des questions pas faciles. Y a-t-il, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, cette délibération est prise à l'unanimité. On passe à la délibération 2.3 et qui concerne une attribution d'une subvention au pôle agroalimentaire de l'Isère, qui porte notamment la marque Alpizère. Mais je crois qu'on va... Isère, tout court. Et je crois qu'on va innover un petit peu. C'est-à-dire, avant la présentation de la délibération, je crois qu'on va vous projeter une vidéo pour présenter un petit peu le sujet. Donc, une vidéo qui doit durer 3 minutes, je pense. Oui, 2 minutes et quelques. Ça me semblait intéressant. Merci, Président, d'illustrer un peu le témoignage d'agriculteurs et de l'ancien président du pôle alimentaire. Je vous rappelle qu'on adhère à ce pôle, mais ça illustre bien l'enjeu quand on parle de filière, de la production à la commercialisation, l'enjeu de cette marque Isère. On vient de me dire que ce n'était pas 3 minutes, c'était 1h15. Hein. On peut manger un peu 3 minutes. Vous savez, je crois qu'en France, on est tous, peut-être pas fils d'agriculteurs, mais au moins petits-fils d'agriculteurs. Je pense que c'est un très, très beau métier. Vous savez, cultiver la terre, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. C'est l'essence même de nos territoires. L'agriculture porte nos valeurs, porte nos traditions, et quoi de plus beau? Moi, je produis pour mon consommateur, pour qu'il soit content, pour qu'il se régale. Il y a 3 points essentiels pour une alimentation de qualité. Ça doit être d'abord nourrissant, ça doit être sain et ça doit être goûteux. Et dans la marque Isère, on affirme que c'est soit bio, soit HVE. Le certificat HVE vous affirme qu'il y a un certain niveau de qualité par rapport à l'environnement qui est respecté. Vous qui êtes sensible au bien-être animal, qui n'avez pas envie que vos produits aient un bilan carbone catastrophique, ils sont d'à côté de chez vous, ces produits. Aujourd'hui, on n'a pas peur, on est bien transparent. Et on a bien évolué au niveau agricole et il faut que les gens le sachent. On les mène sans produits phytosanitaires, toutes ces cultures. On met de l'engrais s'il y a besoin, mais on met du fumier et puis c'est tout. Si on fait des analyses, je pense qu'ils ne vont pas trouver grand-chose en produits chimiques dans notre lait. C'est aussi une valorisation de notre métier parce que savoir qu'on produit avec un impact minimum, c'est gratifiant quelque part.
on cherche à vouloir trop produire sur un sol, faire trop produire un animal, le revers de la médaille, c'est plus de produits phytosanitaires, plus d'engrais, c'est plus d'antibiotiques, plus d'animaux malades. Et nous, on n'a pas fait ce choix-là. On aime nos animaux. On ne peut pas vouloir faire agriculteur et être un sauvage avec les animaux. C'est pas possible. Pour moi, le bien-être animal, c'est la base du tout, quoi. Et les vaches, elles sont tranquilles, elles vont manger, elles reviennent. Elles se font brosser, elles se font chouchouter. De toute façon, si on veut produire du lait, il faut que les vaches soient bien dans leur basket. Qu'elles soient bien dans leurs sabots, ouais. On a voulu bâtir quelque chose d'alternatif, d'un peu nouveau, qui était de se dire qu'il doit y avoir moyen de repositionner les productions de l'Isère dans les magasins de l'Isère. D'où l'idée de cette marque, origine, qualité et rémunération juste de l'agriculteur. Ça, c'est près de chez moi, c'est ici, et je consomme ce qui est d'ici. C'est finalement d'avoir la ferme à la maison, en fait. Pourquoi aller chercher très loin ce que l'on produit localement ? L'avenir est dans ces productions qui sont à taille humaine, qui respectent les sols, qui respectent les ressources. Toutes les agricultures, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont tous évolué. Et en fait, nous, aujourd'hui, il faut qu'on continue à évoluer, tout simplement. Bon. S'il y a des... Vous voyez, c'est pour illustrer le... Hein, ah ben, vous pouvez applaudir là, ce que vous les pouvez même aller acheter dans les magasins. Hein. Ce que vous pouvez applaudir je dirais les acteurs. C'est tous ceux qui bossent justement pour rentrer dans cette dynamique de marque. Ça a été créé par le. Effectivement, vous avez vu le département, la métro, hein, qui a été fortement actrice là-dedans, les trois chambres consulaires. Il y a plusieurs EPCI, puisque maintenant on retrouve. Qui sont partenaires, parce qu'on y est, donc on est adhérent. Il y a aussi, entre Bièvre et Rhône, la CAPI, voilà, il y a plusieurs intercos qui sont mobilisés, qui sont adhérentes. Et l'idée, c'est qu'on puisse valoriser, et on a déjà aujourd'hui plusieurs produits du territoire qui sont en marque Isère. Hein. La bière Tétis, il y a des articles, voilà. Il y a un cahier des charges, il y a un comité d'agrément. Et l'idée, c'est qu'on entre bien dans cette dynamique-là et qu'on puisse développer au maximum l'implication des producteurs et puis aussi dans le volet commercialisation, parce que vous pouvez aussi de ces produits. On trouve aujourd'hui dans les GMS du lait Isère, vous pouvez le voir, vous pouvez le trouver aussi de la bière Tétis, etc., pour illustrer, des œufs Isère, et puis à plusieurs producteurs qui de plus en plus qui s'impliquent. Voilà, donc c'est bien de... Ça a bien été dit dans la... Donc, c'est pour ça qu'on avait adhéré aussi. C'est bien l'origine, la qualité et l'équité, le développement de la valeur ajoutée. Et l'objectif aussi, c'est que, en adhérant au pôle, c'est qu'on puisse être accompagné aussi au niveau du territoire, dans toutes les démarches de structuration de filière et de développer cette démarche. Donc, dans la délibération... il faut de plus en plus communiquer, développer cette marque et puis en rentrer dans des actions de communication auprès des consommateurs. Parce que l'objectif, c'est bien l'alimentation et que les consommateurs utilisent et utilisent ces produits, les achètent. Donc on avait adhéré pour un montant de 5 000 euros, donc c'est annuel au niveau 2024. Et en 2023, le pôle a décidé d'augmenter les ambitions et de développer, notamment de mobiliser tous les moyens commerciaux pour qu'on puisse trouver dans les différents circuits de proximité, que ce soit des circuits de proximité de magasins, de GMS, etc., aussi de vente par Internet, de développer toute l'ambition et de développer cette commercialisation. Il y a un plan de communication qui a été sollicité. On a reçu un courrier du département et de la métropole, donc pour aller dans ce sens de développer cette communication sur 2024 à hauteur de 150 000 euros. C'est le plan qui a été rajouté au niveau de la communication sur ce projet, notamment pour augmenter les ventes. Le département et la métro à eux deux s'engagent à hauteur de 135 000 euros. Hein, donc le département pour 120 000 et la métropole de Grenoble pour 15 000. Et les communautés de communes sont sollicitées
pour contribuer. Et donc, la base, c'est 1 000 euros. Et donc, la proposition, c'est que... ça a été aussi la condition qu'on a vue avec eux, c'est qu'en 2025, il y aura une action de communication claire et précise sur les territoires du Val du Dauphiné. C'est-à-dire que là, c'était dans les programmes d'action. Et donc, il y aura une action qui sera organisée sur notre territoire pour promouvoir la marque et les produits de notre territoire. Voilà, Président. C'était le souhait de présenter cette petite vidéo qui montrait bien le cadre et les acteurs de cette démarche. Je pense qu'effectivement, c'était toujours intéressant de voir concrètement à quoi servent les décisions qu'on peut prendre dans ce conseil communautaire. Et cette vidéo l'illustrait bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Eh bien, écoutez, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération 3.1. et qui touche le règlement de fonctionnement des crèches intercommunales des Vals du Dauphiné à partir du 1er janvier 2025. Là aussi, j'en profite pour souligner l'implication des membres de la commission Petite Enfance dans le travail qui est fait pour essayer d'améliorer la qualité d'accueil dans les crèches, et puis bien sûr aussi les services qui travaillent sur ces sujets-là. J'ai eu une présentation de ce projet de règlement, 73 pages, je crois, c'est ça ? Et ça a été fait avec beaucoup d'enthousiasme par les services. Donc voilà, je voulais les remercier pour leur implication et le travail qui est fait. Et la parole est à Michel Serrano. Merci, Président. Donc effectivement, je vais vous parler du règlement de fonctionnement des crèches intercommunales des Petits Loups pour la Tour du Pin et les Pieds dans l'Herbe pour Chimila. J'espère que je serai à la hauteur du sujet et qu'il sera vivant pour vous. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je me permets de vous répéter, Monsieur le Président, je remercie en particulier parce que 72 pages à rédiger, qui sont assez complètes, vous les avez probablement lues, qui sont intéressantes, riches. Et il faut remercier les deux directrices, Madame Gandhi pour la Tour du Pin, Madame Mutoni pour la crèche de Chimila. Effectivement, le service de communication, je le répète, a été partie prenante. Il y a tout le personnel des crèches qui travaille là-dedans, qui est un support indispensable à l'accueil de ces enfants. Il y a le groupe des élus qui ont participé à beaucoup de réunions. Ça, je tiens à souligner parce que élaborer 72 pages, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, ce règlement, il a été validé par la CAF et la PMI. Donc, le travail est de qualité. Il n'a pas été retoqué. Je donne quand même le cadre pour vous dire, si vous le permettez, ce qu'est une crèche. Voilà. Donc, je serai bref. Et il n'y a que des mots-clés et je ne m'apesantirai pas sur chaque mot-clé. Proposant une première expérience de la vie collective pour le jeune enfant, nos structures sont des lieux d'éveil, de socialisation et d'apprentissage vers l'autonomie. Les établissements d'accueil du jeune enfant ont pour but d'accueillir durant la journée de manière régulière ou occasionnelle les enfants âgés de 10 semaines. Rappelez-vous, 10 semaines, c'est pas grand et c'est fragile. À 6 ans, en veillant à leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Ils ont également pour mission d'accueillir des enfants porteurs de handicap ou d'une maladie chronique compatible avec l'accueil en collectivité. Donc, comme l'a dit Monsieur le Président, le bureau communautaire du 23 octobre 2024, je vous présente ce règlement. Ce document, ce n'est pas une fantaisie, il est obligatoire et il s'appuie sur des textes juridiques. Et depuis 2017, plusieurs textes ont été publiés portant des conséquences significatives sur l'organisation et le fonctionnement des structures. Le règlement de fonctionnement doit être actualisé et les protocoles doivent y être joints afin de répondre aux évolutions attendu. Si vous l'avez feuilleté, vous avez vu qu'il y a beaucoup de protocoles, entre autres médicaux. C'est presque un petit livret médical.
Ça m'a replongé dans mes jeunes années, c'est très intéressant. Les principales évolutions sont la mise en place d'un référent santé-accueil. Depuis plus d'un an, on a une infirmière péricultrice référente pour les deux crèches. C'est obligatoire et c'est en place. Un détail de la modulation de l'agrément en fonction des heures. Je vais passer les points les plus importants parce que effectivement, on va pas la relire. La reprise de la procédure d'admission pour la mettre en conformité avec ce qu'il se pratique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un guichet unique et une prescription en ligne. Tous les parents appellent un seul endroit et ils ont une personne qui peut les renseigner et rappelle les priorités établies pour les admissions. La gestion des contrats au quart d'heure et non plus à la demi-heure afin d'être au plus près des besoins des familles. L'ajout du pointage par les familles et la procédure en cas d'oubli de pointage. La définition d'une procédure de radiation plus claire et précision en cas de récidive, de non-respect du règlement. Parce qu'au fond, ce règlement, c'est trois parties. C'est les gens de la crèche qui la font fonctionner. C'est les parents. Et au milieu, il y a un gamin qu'il faut préserver. Donc, c'est assez complexe, cet aller-retour. Les absences déductibles, maladie jusqu'aux 3 jours sans carence avec attestation sur l'honneur du parent. Et à partir du 4e jour, il faut un certificat médical. Bon, pour l'hospitalisation, en principe, ça ne pose pas de problème puisqu'on a les certificats. Ou éventuellement la fermeture de la structure. La mise en place de 3 journées de fermeture pour journée pédagogique. Et qui sont financés par la CAF. Donc, c'est important parce que pour maintenir les équipes à niveau, ces journées pédagogiques sont le maillon essentiel pour qu'on se tienne au courant de l'évolution des neurosciences, aux évolutions alimentaires des enfants, aux évolutions de prise en charge. Le règlement joint en format dématérialisé est fourni à la demande d'inscription aux familles, donc ils peuvent le trouver sur le net, mais également disponible sur le site de la collectivité. Il réactualise ainsi les dispositifs et règles d'organisation de la crèche et précise les responsabilités de chacun. À ce titre, il sert de base au contrat établi entre chaque famille et la collectivité. Le présent règlement annule et remplace les règlements de fonctionnement actuellement en vigueur et sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Y a-t-il des oppositions à l'adoption de ce règlement ? Des abstentions ? Non. Eh bien, adopté à l'unanimité. Délibération 3.2. Il s'agit de la détermination des tarifs applicables aux accueils de loisirs sans hébergement et qui pourraient être applicables à partir du 1er janvier 2025. Je rappelle pour mémoire que les tarifs n'ont pas été modifiés depuis 2019. Et donc la parole est donnée à Michel Serrano pour présenter cette délibération. Donc effectivement, là, on est sur un sujet autre qui est la détermination des tarifs applicables aux accueils de loisirs sans hébergement en régie directe et au service de la jeunesse à compter du 1er janvier 2025. Je vous rappelle que nous avons 12 centres en tout, 7 en gestion directe qui sont la Tour du Pin, Dolemieux, Pont-de-Beauvoisin, Cessieux, Aoste, Roche-Thorin et Torche-Folon. Et 5 structures associatives, la MJC des Abrets, Saint-Didier, la Bâtiment Gascon, Virieux, Saint-André. Donc les premiers seuls sont concernés par cette augmentation. Alors, pareil, là, je tiens quand même à remercier, une fois n'est pas coutume, Monsieur Hervé Yannick Salençon, pour son engagement. Évidemment, notre DGA universel sur toutes les structures, Sébastien Kerinx, et toutes les commissions petite enfance, enfance jeunesse, les groupes de travail, parce que ça a été beaucoup de réunions pour essayer de trouver la juste augmentation. Pas le juste prix, la juste augmentation. Mais je tiens quand même en particulier à remercier Mme Schwartz-Maud, Mme Stival, ici présente d'ailleurs, Géraldine, et Mme Doucet, Émilie, Mme Caillou-Magnola, M. Leprêtre, aussi présent ici, et Mme Fougeron-Geneviève pour leur implication, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Alors,
pourquoi et comment ? Pourquoi une augmentation ? Donc, dans le cadre de ces activités, le service jeunesse et prévention citoyenne de la communauté de communes des Vals du Dauphiné propose d'accompagner les enfants et jeunes. Oh, on a grandi là, hein. On a mis un peu d'hormones de croissance, on passe de 3 à 11 ans. C'est plus la même prise en charge. Donc, on propose d'accompagner les enfants et jeunes dans les loisirs. À ce titre, il est proposé des activités durant les périodes scolaires et extrascolaires. Donc, différentes modalités d'accueil existent sur le territoire, dont ces centres d'accueil. En 2019, le transfert de compétences intègre de nouveaux centres de loisirs au sein des VDD. Et au total, je vous l'ai dit, nous sommes 7 en gestion directe. Donc, le constat. Les tarifs des centres de loisirs pratiqués sur la collectivité sont identiques depuis 2019. Donc, on n'a pas rêvé, on n'a pas oublié, mais il y a eu le Covid, 2 ans, et puis aussi, il y a eu cette mutualisation qui nous a pris aussi pas mal de temps. La réglementation en accueil, le pourquoi du comment, en 2024, on est ici et on parle d'augmentation. La réglementation en accueil de mineurs nous oblige à respecter un taux d'encadrement qui pèse majoritairement sur nos budgets. 70% des budgets des centres de loisirs concernent la masse salariale. La hausse globale de nos effectifs sur les centres de loisirs, 6% sur l'été 2024 en comparaison avec 2023, hausse qui nous a contraints à embaucher davantage d'animateurs pour respecter les normes d'encadrement. Le reste à charge de la collectivité sur le coût de revient d'une journée centre de loisirs est d'environ 49%. Juste une idée pour parler chiffres, ce n'est pas toujours agréable, mais le coût de revient d'un enfant pour l'année 2023, c'est 51,78 euros. Donc, pratiquement 50% est pris en charge par la Comcom. Les familles payent 16,45 euros et la CAF, le reste, 10,07 euros. Donc, le taux d'inflation, eh bien, depuis 2019, tous les ans, il s'applique. Je vous ferai grâce des additions pour toutes les années. Il y a eu la hausse des matières premières, qui a fortement impacté depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. La hausse des coûts du repas. Hein, les repas, vous le savez, nous avons tous des cantines sur lesquelles nous sommes aussi, en tant que maire, impliqués. La prise en compte du mode de calcul de la répartition des tranches actuelles, je tenais, puisqu'on va parler quotient familial, aussi vous dire que les centres de loisirs sont essentiellement investis par les familles qui ont un coefficient familial de 700 jusqu'au sommet, jusqu'à 1250 et plus, 80% à peu près. Tout le reste, c'est des familles qui ont un quotient familial de 400 à 700. Alors, l'avantage de la démarche, c'est l'augmentation des tarifs permettra d'améliorer la qualité éducative. Et ça, c'est important. Hein, il faut que ces centres d'accueil et de loisirs aient une qualité qui soit irréprochable et qui soit à niveau avec ce qui est proposé ailleurs. De nos accueils, favoriser ainsi l'épanouissement des enfants. Amélioration du contenu des activités pédagogiques par le biais de sorties et de mise en place de mini-séjours. Respect des taux d'encadrement en vigueur. Vous savez que là, pareil, la loi s'applique. Renforcement du budget transport et d'activités permettant aux enfants de sortir davantage de nos structures. Par exemple, il faut prendre un quart de tourisme pour aller en Chartreuse et ça coûte jusqu'à 620 euros. La hausse des recettes avec la nouvelle grille tarifaire pourrait s'élever jusqu'à 60 000 euros. Dans le cadre de sa politique enfance, la communauté de communes des Vals du Dauphiné conventionne avec les structures associatives afin de répondre aux besoins d'accueil du territoire. Alors, la révision des tarifs permettra de réduire les écarts existants avec les centres de loisirs associatifs. Je crois qu'on n'a pas entré en concurrence avec les différents centres. Il faut qu'on soit à peu près sur le même niveau de tarifs. Et cela aussi afin de maintenir un partenariat.
Alors, les modalités pratiques qui nous ont, comment on a fait, il y a eu un groupe de travail au cours de l'année composé d'élus et de la commission et de techniciens. Nous avons fait le choix de mettre en place un simulateur comme au balcon, avec un prix plancher et un prix plafond. Donc, ça sera très simple à partir de 2025, au 1er janvier. Pour une famille, elle aura juste à introduire son coefficient familial donné par la CAF et elle aura directement ce qu'elle aura à payer à la journée ou à la semaine ou à la demi-journée. Le simulateur évite les effets de seuil. Il sera visible en ligne via le logiciel Portail Famille Enfance. Ce simulateur, évidemment, a été validé par notre partenaire, la CAF. Et les utilisateurs, comme je vous l'ai dit, rentreront uniquement leur COEF pour avoir le montant. Donc, je vais quand même prendre un exemple pour être parlant. Si nous prenons, par exemple, moi, je pense qu'il est important que je vous fasse grâce de la méthode de calcul, les coefficients, les multiplications et les soustractions. Mais si on prend une famille, par exemple, qui a un QF à 250, le plus bas, aujourd'hui, elle paye 34,65. Au 1er janvier, elle payera 47. Ça, c'est pour une semaine. Attention, on ne va pas s'emballer. Ça fait 13 euros à la semaine d'augmentation. Donc, ça fait 2,61 euros d'augmentation par jour. Donc, les gens qui sont... ça a permis cette progression linéaire pour qu'on maintienne à niveau ces centres de loisirs. On ne peut pas rester comme ça depuis 2019 sans tenir compte de la réalité économique du coût externe de notre centre de loisirs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette proposition de grille tarifaire? Oui, dites au micro. Edith Chambaz, la bâtiment Gascon. Moi, je voulais savoir s'il y avait un rapport avec le PEDT. Le PEDT, le plan territorial, qui existe toujours chez nous à la Bâti. Non, aucun rapport. OK. On n'en est pas rentré dans ce concept. Ah, d'accord, OK. D'accord. Et autrement, par exemple, quand vous parlez du simulateur, par exemple, si vous me dites le simulateur va donner 47 euros à un parent qui ne payera pas 47 euros, le simulateur donnera ce qu'il doit payer réellement et la différence sera donnée à l'association qui gère. Comment est-ce que ça... On ne parle pas des associations, là. Oui, mais non, c'est associatif, nous. C'est pour ça que je dis ça. Non, nous, c'est pour uniquement les 7 centres où il y aura la validité. D'accord. Alors, puisque vous évoquez le prix, quand on est à 47,68 euros, si l'augmentation pour la famille est considérée comme trop importante, eh bien, il restera une solution. C'est le département qui peut abonder. Okay. Et puis, la mairie et le maire. Le maire qui peut aussi aider ces familles qui ont des bas COEF. Parce que là, effectivement, je vous ai pris le 250, c'est hard. D'accord. Voilà. Okay. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, cette délibération est adoptée. À l'unanimité. Merci. Projet de délibération 3.3. Il s'agit de la présentation du rapport d'activité du Conseil de développement des Vals du Dauphiné pour l'année 2023. Je salue d'ailleurs la présence d'un des membres de notre Conseil de développement dans la salle, dans le public. Voilà. Et je donne la parole à Vincent Durand pour évoquer ce rapport d'activité. Bonsoir. Bon, c'est bien moi, là. Oui, je salue effectivement un membre du C2D. Donc, je pense que tout le monde connaît le C2D actuellement. Il y avait pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion à Chassigneux concernant l'eau, donc organisée par le C2D avec différents intervenants. Je dis juste ça parce qu'il y avait un des membres du C2D que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Jean Bailly
et qui, d'après ce que j'ai compris, disait que le C2D des Vals du Dauphiné est un des, j'allais dire, dans le top 20 des C2D de France. Je ne sais pas sur quel critère ils se basent, peut-être sur le nombre de saisines de projets qu'ils ont. En tout cas, toujours pour vous dire que c'est un C2D qui est très actif et qui s'implique beaucoup. Je voulais souligner aussi donc cette implication. Et ce sont, vous le savez, des bénévoles. J'ai pu assister, le président aussi, à certaines de leurs réunions, et ça débat, ça réfléchit, donc il y a plein de propositions qui sont faites. Donc je voulais vraiment le souligner. Il y a eu récemment deux saisines qui ont été faites. Ça a été évoqué pour le PAT, puis une autre pour l'habitat, notamment tout ce qui est pisé. Et donc ça fait partie des saisines qui ont été proposées au C2D, qui les a acceptées, donc qui va s'emparer des sujets et travailler, phosphorer sur ces thèmes. Je pense que c'est important parce qu'il y a des personnes qui ont des compétences reconnues dans cette instance et qui nous éclairent et qui représentent les votes, qui représentent un petit peu les citoyens. C'est son rôle. Voilà, je ne vais pas revenir. Le rapport que vous avez reçu, je vous invite vraiment à le parcourir, à le lire si vous ne l'avez fait. C'est très intéressant avec toutes les actions qui sont conduites. Pardon. Il y a des nouvelles qui ont été développées en 2023 sur l'eau, le sport et le tourisme. Voilà, je vous invite vraiment à les lire. Voilà, donc le C2D, il y a une cinquantaine de membres. Ils ont augmenté. Je crois qu'ils recherchent à nouveau d'autres participants pour avoir une représentation la plus large possible au niveau des territoires et des professions. Voilà, il y a trois coprésidents et trois vice-présidents sur différents thèmes. Voilà, donc je souligne à nouveau vraiment leur action. Donc ils peuvent, ce qu'on a dit, on fait des saisines, qu'ils acceptent ou non, et puis eux aussi peuvent s'auto-saisir sur certains sujets, ce qu'ils ne manquent pas de faire, et sont force de vraiment de propositions au service des citoyens. Voilà, donc l'idée de cette délibération, c'est tout simplement de prendre acte de ce rapport annuel du Conseil de développement. Et je répète, je vous invite vraiment à le lire attentivement. Voilà. S'il y a des questions, sujet. Voilà. Alors, je ne sais pas si comme ça. Donc, on prend acte. Est-ce que, je sais pas si tu veux le faire. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à ce qu'on décide de prendre acte de la présentation de ce rapport? Non? Eh bien, très bien, merci pour cette décision. Juste dire que le C2D donc a mis à disposition de moyens de la part de la communauté de communes, pardon, de locaux qui se trouvent au Cap, à Saint-Clair-de-la-Tour maintenant, et a mis à disposition d'un secrétariat, d'une secrétaire à mi-temps pour le C2D. On passe sur la thématique du développement économique et on va présenter quatre délibérations qui ont trait au versement de subventions aux entreprises de l'économie de proximité. Jean-Paul Bonnetin étant excusé, c'est Daniel Witt qui va nous présenter ces délibérations, et notamment la première qui concerne une subvention à la Tour du Jouet, à la Tour du Pin. C'est bien ça, oui, la Tour du Pin. La parole est à Daniel. J'ai un problème de réglage. C'est bon. Bien, Jean-Paul Bonnetin, notre collègue, nous rappelle que dans le cadre de la loi NOTRe, nous pouvons accompagner les petites activités de notre territoire, les petites entreprises de commerce, d'artisanat, de services avec des points de vente. Et nous, pour ce faire, nous nous adossons aux dispositifs mis en place par la région. La région accorde 20% de subventions et avec un plafonnement, et les Vals du Dauphiné 10%, ce qui fait qu'un effet de levier de 30% n'est pas négligeable. Et donc nous allons ce soir parcourir le territoire avec plusieurs activités. La première, c'est à la Tour du Pin, la Tour du Jouet. Madame Flandrin Vargnaud Michel. Le magasin est rue de la République. C'est un commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé. Et cette dame fait des investissements en matière de rénovation thermique des vitrines, traitement anti-ultraviolet, peinture de la façade. L'investissement est de 11 232. Nos 10% nous amèneront à verser 1 123,20 €. Et la région le double de 1 246,40 €. Il vous est donc proposé d'approuver
le versement de cette subvention. Les crédits sont prévus et le président mettra en œuvre la délibération. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Merci. Pour la délibération suivante, la 4.2, il s'agit de la SARL Rhodoptique. Je précise, je crois que Elan Aoun a le pouvoir de José Rodriguez. Et donc, elle ne votera qu'une seule fois, puisque José Rodriguez, étant le gérant de cette structure, ne prend pas part au vote. La parole est à Daniel Witt. Alors, on ne parle plus de jouets, mais on reste à la Tour du Pin. Et place Antonin Dubost pour l'optique, la lunetterie, les détails et l'audition des engagements professionnels assurés par notre collègue José Rodriguez. Là, il s'agit de rénover avec un investissement important qui dépasse le plafond. Donc, la référence sera le plafond et non pas le montant total d'investissement. Il s'agit de réagencer le magasin avec des travaux de peinture, des changements de mobilier pour la clientèle, de luminaires, des travaux de menuiserie. Le total, 71 168 euros. Le plafond étant à 50 000 euros, eh bien, nous attribuons 5 000 euros, les 10%, la région 10 000 euros. Et même compte au niveau du budget. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Pour la 4.3, on est toujours sur le versement de subventions. Il s'agit cette fois de la boucherie Jean, qui est située aux Abrets au Dauphiné. Voilà. Après les jouets, les lunettes, eh bien... La viande. Non, non, après les jouets, lunettes, nous passons à l'alimentaire très connu, la Maison Jean est appréciée, commerce de détail de viande, produit à base de viande en magasin spécialisé. Et là, il s'agit non pas d'aménager les locaux, mais il s'agit d'investir dans du matériel, avec à la fois l'achat d'un véhicule d'occasion pour les livraisons des commandes clients et des événements, l'achat d'un ordinateur portable et d'un poussoir à saucisses. Le tout, et oui, ça existe, hein, et c'est utile. Le tout permet de considérer un investissement de 39 648,42 euros. Nos 10% nous amènent à verser 3 964,84 euros. La région le double, soit 7 929,68 euros. C'est du très concret dans nos délibérations. Absolument. Pas de questions. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. La suivante concerne la SARL RMG Distri, qui est située à Saint-Victor-de-Cessieux. La parole est à Daniel Witt. Voilà. Alors, nous finissons notre... petite itinérance par Saint-Victor-de-Cessieux, n'est-ce pas ? Avec le Vival, qui est aussi point poste, on est d'accord ? Route de Vaud, au bas de Saint-Victor, commerce d'alimentation générale. Et là, c'est Madame Catherine Guilloux. Et elle va, elle, changer les vitrines réfrigérées, installer un nouveau système de climatisation réversible, aussi bien dans le magasin que dans la réserve. Investissement total 27 059,36 euros. Subvention de 10%, 2 705,94 pour les VDD. Subvention du double pour la région, 5 411,87 euros. Président. Si vous n'avez pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, cette décision est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe à la 4.5, toujours sur le développement économique. Il s'agit de la convention d'adhésion à l'association Aime ton marché pour l'année 2025. Philippe Guérin évoquait tout à l'heure les marchés sur le territoire. Eh bien là, Jean-Paul Boltin nous rappelle que dans le cadre de notre compétence partagée sur la thématique commerce, notre communauté de communes peut aider
accompagner les communes dans le développement de leur centre-ville, centre-bourg. Et à ce titre, l'adhésion à Aime ton marché, portée par la communauté pour le compte des communes membres, est une solution d'accompagnement qui dispose d'un ou plusieurs marchés forains ou pour les communes qui sont en réflexion pour créer un marché forain. Cette association, à travers 3 collèges, regroupe des collectivités, des chambres consulaires, des acteurs professionnels. C'est un lieu d'échange, de professionnalisation des marchés. Les projets développés par l'association tendent à améliorer le fonctionnement et l'innovation des pratiques sur les marchés en proposant des prestations de services telles que conseils, moyens et actions à caractère événementiel. Cette convention permettra aux communes du territoire qui le souhaitent de bénéficier de nombreux conseils d'accompagnement sur la création et la gestion de leurs marchés ainsi que des tarifs préférentiels sur les animations pour leur marché. Le montant de l'adhésion est calculé au prorata de la population totale et du nombre de tenues de marché sur le territoire. Et pour l'année 2025, pour les VDD, ce sera 3 208,13 €. Donc, nous vous proposons d'approuver ce partenariat au bénéfice de l'ensemble des communes du territoire et de leur marché, de donner un avis favorable, d'attribuer les 3 208,13 €. Les crédits sont prévus au compte 62-81. Et le président va mettre en œuvre la délibération. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Si pas de remarques, on va procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. On passe à la 4.6. Il s'agit de la convention de veille et de stratégie foncière avec l'EPORA, entre l'EPORA et la commune de Saint-Dié-de-la-Tour. Thérèse Tisserand étant absente ce soir et Daniel Witt étant bien parti, c'est Daniel qui va nous présenter cette délibération. Eh bien, je vous rappelle que Thérèse indique que l'EPORA accompagne les collectivités pour identifier des gisements fonciers que les collectivités pourraient mobiliser. Et le rôle d'EPORA est de faire du portage foncier. Alors, nous avons déjà signé des conventions pour accompagner des communes. Saint-Victor, j'en suis sûr. Peut-être Saint-Clair, non ? Saint-Clair aussi, et puis j'en oublie d'autres. Biolle également. Et donc l'intérêt, c'est de permettre aux communes qui ont un projet d'avoir EPORA pour faire les acquisitions. EPORA porte le foncier pendant un temps précis, le temps que la commune transforme la friche en une nouvelle perspective. Donc aujourd'hui, Thérèse nous rappelle que la convention de veille et de stratégie foncière est proposée entre EPORA, la commune de Saint-Didier-de-la-Tour et notre communauté de communes. Et cette convention précise les modalités de coopération entre les différentes parties. Alors, EPORA assure la veille foncière, peut faire les acquisitions par le biais du droit de préemption. C'est l'objet de la délibération suivante. L'EPORA participe au financement des études à hauteur de 50%, la commune de Saint-Didier 25%, notre communauté 25%. La règle est la même que sur l'ensemble du territoire. Le montant estimé des études est plafonné à 60 000 €. La convention est signée pour une durée de 6 ans. Et j'ai lu que notamment le projet de Saint-Didier était de travailler sur du logement et notamment du logement inclusif adapté aux seniors. Voilà, et si d'autres communes ont des mêmes perspectives, EPORA est là pour ça. Portée de la décision, approuver le contenu de la convention qui va lier EPORA, Saint-Didier et notre communauté de communes. Les crédits sont toujours au chapitre 011 et le président est partant pour signer les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la délibération. Philippe, tu veux apporter des précisions ou pas particulièrement ? Oui, on a délibéré au niveau de la commune cette semaine aussi sur cette convention de veille. C'est bien une convention de veille et de stratégie, donc c'est pré-opérationnel. On a potentiellement sur la commune une acquisition à faire et donc on a travaillé avec EPORA sur les modalités. Donc, dans le cadre d'un projet d'habitat inclusif, effectivement,
sachant qu'on est en lien aussi avec un bailleur social sur ce dossier-là. Voilà, donc c'est en route, voilà, mais on prend le temps aussi, c'est vraiment d'être prêt lorsqu'il faudra agir. Ça permet d'avoir une action, d'avoir de la réactivité sur cette thématique-là. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. On passe à la 4.7 qui vient complémenter la précédente. Il s'agit de la délégation du droit de préemption urbain à l'EPORA pour la commune de Saint-Dié-de-la-Tour. Et en l'absence de Thérèse, la parole est donnée à Daniel Witt. Eh bien, c'est le complément indispensable à la précédente délibération pour permettre à EPORA de jouer pleinement son rôle. Il convient de lui déléguer le droit de préemption qui permettra de se positionner immédiatement lorsqu'il y a une opportunité et avec le feu vert de la commune de faire l'acquisition du foncier et d'appliquer la convention dans les termes que l'on a évoqués précédemment. Donc l'objectif est de déléguer l'exercice du droit de préemption sur le périmètre de la convention de veille et de stratégie foncière de la commune de Saint-Didier à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au code de l'urbanisme dans les conditions suivantes. Délégataire EPORA, périmètre de convention de veille et de stratégie défini dans le cadre de la convention d'études et le président mettra en œuvre cette délibération. Je pense que comme il n'y a pas eu de question sur la première, il ne devrait pas y en avoir sur celle-ci. C'est bien le cas. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. On va passer sur la thématique de l'habitat avec deux propositions de subvention pour la rénovation de logements communaux. Donc, c'est un dispositif de notre PLH qui le permet. Je pense que ce dispositif était peu connu, mais il semble l'être de plus en plus parce qu'on a eu plusieurs délibérations sur ce sujet, et je trouve que c'est bien parce que ça démontre l'utilité de ce dispositif. La parole est à Vincent Durand. Effectivement, je pense que maintenant, toutes les communes connaissent ces aides qui sont octroyées par la communauté de communes, qui sont appréciées. Il y en a qui en ont bénéficié. J'espère que d'autres... il y aura d'autres propositions qui seront faites par d'autres communes. Alors il y en a deux, elles sont vraiment jumelles, hein, les deux délibérations proposées par les deux communes. Alors si après les maires veulent compléter par rapport à leurs communes respectives, la première, ça concerne, on va faire une après l'autre, hein, la première concerne Saint-Clair-de-la-Tour. Alors on en a reparlé, c'est l'ancienne cure qui se trouve à gauche de l'église, je précise, ça ceux qui veulent voir. C'est ça ? Si on regarde du côté à l'entrée, voilà. Donc les travaux sont donc atteignent plus de 10 000 euros, c'est la condition. Donc c'est une réhabilitation. Donc on octroie une aide de 2 000 euros pour chaque réhabilitation et ça peut aller jusqu'à 3 000 euros si on atteint le diagnostic énergétique C. J'espère que ce sera le cas. Il y aura évidemment, ce sera vérifié pour qu'on octroie cette aide de 3 000 euros. Voilà. Donc je ne sais pas si maire de Saint-Clair veut compléter à ce sujet-là. Oui, simplement pour confirmer, donc c'est un vieux bâtiment qui a aussi des problèmes structurels. Donc on a à reprendre des fondations, à reprendre un peu de chaînage sur le bâtiment. Et on en profite aussi pour isoler ce bâtiment qu'on a mis en location il y a un an. On avait tenté une expérience de colocation avec des personnes âgées, des jeunes qui étaient en alternance dans l'entreprise Saint-Clair Textile, et puis des jeunes de la mission locale aussi. Voilà, c'est une expérience qui n'avait pas forcément été concluante. Donc on veut remettre le logement en état et on espère pouvoir accueillir peut-être d'autres personnes avec d'autres profils dans ce logement à terme. Avez-vous des questions ? Non. Y a-t-il donc des oppositions, des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la suivante, sur le même sujet, mais qui concerne cette fois un logement sur la commune de Sainte-Blandine. Tout à fait. Donc c'est pratiquement la même chose. Alors on a eu l'occasion de visiter il y a quelques
quelques mois avec le guide, monsieur le maire qui nous a guidés pour visiter. Il y a aussi d'autres projets hein, au niveau de Sainte-Blandine, il y a notamment c'est les lieux de l'ancienne école. Donc c'est de réhabiliter aussi un logement. Donc voilà, le même montant, on ne fait pas de jaloux, hein, c'est toujours 2000 euros plus 1000 euros si on atteint le niveau C. Voilà, je ne sais pas si monsieur le maire veut compléter. Deux, trois petites explications. Effectivement, on a un ancien groupe scolaire qui a été, on va dire, abandonné puisqu'on en a fait un nouveau, plus performant. Et sur cet ancien groupe scolaire, il y avait donc un logement de fonction pour les institutrices de l'époque. Donc ce logement aujourd'hui est vacant depuis de nombreuses années et dans la mesure où on réhabilite la partie rez-de-chaussée, on a décidé d'en profiter pour réhabiliter aussi l'étage. Donc la partie rez-de-chaussée, il y aura un gros réaménagement qui est en cours puisqu'on a commencé la démolition, où il y a l'accueil, on va dire, d'un médecin avec une entreprise locale qui va venir faire une activité vélo. Et donc sur l'étage, on va réhabiliter le logement pour ne pas perturber après le fonctionnement, on va dire, au rez-de-chaussée des entreprises. Voilà. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Une délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la 4.10 qui concerne une convention de participation financière portant sur les travaux du PDIPR du chemin du Menou à Saint-Jean-d'Avelane. La parole est à Philippe Latour. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc vous saviez qu'on a, enfin vous êtes au courant qu'on a, on avait lancé un grand chantier de diagnostic sur les chemins PDIPR courant 2022 qui s'est achevé entre 2023-2024 pour aboutir à un certain nombre de conclusions et d'actions à suivre, certaines sur de la modification d'itinéraire pour améliorer la qualité du réseau, ce qu'on vous a présenté, ce qu'on a entériné au mois de mai cette année, et d'autres actions qui ont pour but d'améliorer la qualité, de réduire la dangerosité des itinéraires sur nos chemins qui sont inscrits. Donc cette délibération porte sur un des premiers travaux qu'on démarre en cette fin d'année sur le PDIPR, avec un profil un peu particulier, puisqu'en fait les travaux sont relativement importants, donc le montant des travaux est relativement important, et on a essayé de trouver des solutions, donc c'est quelque chose qu'on avait discuté en commission avec les différents membres de présents, trouver des solutions de financement qui ne grèvent pas complètement le budget qu'on a pour l'entretien du PDIPR de façon standard, puisque là, on est un petit peu au-delà de l'entretien, puisqu'on est sur de l'aménagement, de la réhabilitation, voire de la sécurisation. Donc on a ici, sur Saint-Jean, 250 mètres de voirie à remanier pour permettre le passage en sécurité des piétons, vélos et éventuellement chevaux sur ce chemin du Menou à Saint-Jean-d'Avelane. Donc c'est un chemin qui est un peu compliqué à cet endroit-là, puisqu'en fait, il n'y a pas de visibilité, puisqu'il y a un talus qui barre la visibilité. Il y a une haie qui contribue aussi à masquer cette visibilité. Et on a, de l'autre côté, des poteaux qui empêchent une circulation aisée des piétons. Donc l'idée, c'est effectivement de remanier tout ça pour aménager un cheminement qui soit sécurisé pour tous les usagers du PDIPR à cet endroit-là. Donc là, les devis qu'on a fait faire portent le coût des aménagements à 76 260,01 euros TTC, donc ce qui est effectivement un montant relativement important pour cette section de PDIPR. Bien entendu, on a demandé une subvention au département dans le cadre de l'entretien des PDIPR, une subvention à hauteur de 50%. On ne sait pas si on aura les 50%, mais le département pourrait monter à hauteur de 50%. Et donc pour le reste à charge, on a proposé à la commune de Saint-Jean de partager la poire en deux, 25% pour la Comcom et 25% pour la commune. La commune a accepté cet arrangement, donc merci aux élus de la commune de Saint-Jean d'avoir entériné la décision, qui n'est pas sans effet, puisqu'en fait, pour pouvoir financer ces travaux, il faut également que la commune se porte acquéreur d'un certain nombre de parcelles, ou en tout cas d'une portion de parcelles
sur lesquels les travaux vont être faits. Donc un grand merci pour l'implication du maire et de ses adjoints pour faire avancer le dossier qui nous permet aujourd'hui de vous proposer cette délibération. Donc si je résume, un montant total TTC de 76 260,01 euros, avec un engagement pour la Comcom de 15 887,51 euros, pour la commune de Saint-Jean-d'Avelane de 15 887,50 euros, et une subvention départementale maximisée à 31 775 euros, sachant que si on n'avait pas l'entièreté de la subvention départementale, la différence serait prise en charge par la Comcom, donc sur le budget PDIPR. Avez-vous des questions quant à ces travaux, quant à ce calcul, en tout cas cette répartition des coûts? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Délibération 4.11, c'est toujours Philippe Latour qui va nous la présenter. Elle concerne la convention de partenariat avec Isère Attractivité pour la mise à disposition des outils de place marché Open Experience. Alors, Isère Attractivité, en fait, c'est l'agence départementale qui permet de mettre en avant tous les atouts de notre département. On a parlé tout à l'heure de la marque Isère. C'est l'agence d'attractivité qui fait la promotion de cette marque au sein de toute la structure, dont le tourisme. C'est quelque chose qui est relativement important. Et on a beaucoup de boutiques dans les offices de tourisme qui proposent des produits Isère, dont la nôtre d'ailleurs. Donc cette convention, en fait, elle permet d'utiliser un outil qui s'appelle Open Experience, qui est en fait un outil de réservation en ligne pour les hébergeurs. Donc c'est à l'instar d'un Airbnb, à l'instar d'un Booking. C'est une plateforme qui est opérée par le département, qui a le gros avantage d'être beaucoup moins coûteuse que ces grosses plateformes pour les hébergeurs. Donc pour un hébergeur qui se lance ou un hébergeur qui a peu d'activité, il est souvent plus intéressant de rejoindre la plateforme qu'on lui propose, donc Open Experience, que de s'acquitter des frais de plateforme sur un Airbnb ou sur un Booking. L'adhésion à cette plateforme est proposée à nos partenaires socioprofessionnels au travers des différentes adhésions qu'on met en place. Et donc là, dans l'adhésion premium qu'on propose aux sociopro, pour 55 euros par an, en plus de tous les services d'accompagnement, il y a également la mise en place de cette plateforme de réservation pour leur hébergement. Vous avez quelques chiffres d'activité. Alors ça paraît dérisoire ou peu important, mais on est sur du démarrage, hein, puisque en 2023, on a fait 65 réservations en ligne pour un chiffre d'affaires de 11 530 euros. Donc c'est un début, mais c'est un début qui est prometteur, sachant qu'à l'échelle du département, la plateforme commence à prendre son essor. Donc elle commence à être connue, elle commence à être reconnue par les hébergeurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça nous encourage à vous proposer de renouveler l'adhésion à cette plateforme, sachant que la cotisation annuelle pour les Vals du Dauphiné est de 1300 euros. Donc je vous l'ai dit, pour un hébergeur, le coût est de 55 euros sur une adhésion globale qui comprend tous les services d'accompagnement. Avez-vous des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci à nouveau. Et enfin, le projet de délibération 4.12, qui concerne le versement de la subvention pour l'étude au PAERU avec la commune de La Tour-du-Pin. Et puis, Daniel ne va pas s'en tirer comme ça. Donc, il va nous présenter cette dernière délibération. La parole est à Daniel Witt. C'est la petite dernière pour la route. Alors, Thérèse, notre collègue, nous rappelle que notre communauté de communes avait signé, on remonte un petit peu en arrière, c'était en avril 2021, avec la commune de La Tour-du-Pin, le département de l'Isère et l'État, une convention d'adhésion au programme Petite Ville de Demain, programme dont nous avons parlé à de nombreuses reprises, et puis j'espère dont nous parlerons encore beaucoup, puisque là, nous rentrons dans les mises en œuvre. À l'époque, les signataires s'engageaient notamment à porter une étude préopérationnelle
d'opérations d'amélioration de l'habitat, une OPAH. L'adhésion au programme Petite Ville de Demain a permis d'obtenir une ingénierie en faveur de la réalisation de l'étude préopérationnelle OPAH et avec un cofinancement par l'ANA et par la Banque des Territoires. En décembre 2021, il y a eu validation du fait que le portage était confié à la commune de La Tour et validation d'un plan de financement avec l'ANA s'engageant à participer à 50% du montant de l'étude hors taxe, la Banque des Territoires 25%, la commune de La Tour 20%. Quant à la communauté de communes, elle acceptait de prendre en charge le reste dans la limite de 10 000 euros. L'étude a été conclue le 22 juillet 2024, très positivement puisqu'elle débouche sur la signature d'une OPAH RU, renouvellement urbain, de 2024 à 2028 par la communauté de communes, la commune, l'ANA et l'État. Le montant de l'étude bouclée est de 65 824,50 €. Nous avions prévu une participation pour le reste à charge des VDD avec un plafond limite de 10 000 euros. Nous sommes loin de la limite puisque ce reste à charge s'élève à 4 747,25 €, que nous proposons de verser à la commune de La Tour-du-Pin pour solder cet engagement. Et maintenant, nous nous tournons vers les actions de l'opération OPAH RU pour notre ville sous-préfecture. Président. Merci. Y a-t-il des questions par rapport à cette proposition de délibération ? Non. Eh bien, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Il nous reste le point des questions diverses. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non. Eh bien, écoutez, il me reste à vous rappeler que vous allez recevoir prochainement une mise à jour de vos agendas avec les dates des instances 2025. Et oui, déjà. Et je vous rappelle également donc, que ce calendrier sera envoyé au secrétariat de mairie. Et enfin, je vous rappelle également que notre prochain conseil communautaire, le dernier de l'année, aura lieu le jeudi 12 décembre, ici même, à 18h30. Et enfin, je vous rappelle, elles sont affichées à l'écran, les dates des prochaines commissions communautaires. Et il est 20h37. Et donc, notre conseil communautaire est clos. Et je vous propose à rejoindre la salle des commissions pour qu'on puisse partager un verre. Merci à tous. Je rajouterai simplement que la prochaine commission des finances aura lieu le 20... Je vais pas dire de bêtises. 25 ? C'est marqué ? Non, le 25, c'est l'atelier. Le 27. Le 27 novembre, commission des finances. Et n'oubliez pas de sensibiliser vos conseillers municipaux pour les deux rencontres territoriales de la semaine prochaine. Merci beaucoup.